Et en même temps, sur la question du télétravail, beaucoup en reviennent. Moi, je me rappelle d'une époque où on bataillait avec son supérieur hiérarchique pour avoir une journée de télétravail par semaine. Et aujourd'hui, quand ça a été imposé aux personnes, j'en se rends compte que c'est très compliqué, surtout quand il y a les enfants qui sont là ou qu'il y a des enfants en bas âge, très compliqué de travailler. Et puis l'enfermement, même si le premier confinement a été plutôt bien vécu parce qu'on repeignait des murs, on faisait beaucoup de déco, enfin, passer ce côté... Maison France 5, au bout d'un moment, on a envie de resociabilisation et on a envie. Oui, et puis la présence physique, en fait, permet la spontanéité des échanges. Quand vous pouvez faire ne serait-ce qu'une réunion de travail, mais on parle chacun son tour, à heure fixe. On a besoin pour être irrigué en permanence, d'avoir des échanges en permanence. Puis rien ne remplace la machine à café, les moments où effectivement on traite certains sujets. De manière un peu plus détente. Enfin, moi, je n'en peux plus. Des réunions Zoom, en revanche, réunions de travail, c'est infernal.